Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau daily vlog, ce haul action. J'ai gardé en fait au fur et à mesure mes petits achats chez Action et en fait au final ça a fait deux énormes sacs. Non mais regardez-moi ce truc. Du coup je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté à Action, j'espère que ça va vous plaire. Pour les prix, je ne sais plus, je ne sais pas où sont les tickets de caisse, j'essaierai de vous donner mon estimation. Donc écoutez, let's go. On va commencer par le truc le plus glamour. J'ai pris du PQ, vraiment voilà, rien d'intéressant mais il m'en fallait. Du PQ, j'ai pris aussi des sopalins dont un qui a déjà été utilisé. Ensuite j'ai pris... Bon ça j'étais obligée tu vois, j'ai pris un petit bol panda, il faisait plusieurs animaux donc bah, j'ai pris celui-ci qui me paraissait plutôt mignon, voilà un petit panda comme d'habitude j'adore. Ensuite j'ai enfin pris, parce que ma belle-mère m'engueule, mon père m'engueule, ma soeur m'engueule, mes amis aussi m'engueulent et mes voisins commencent aussi à m'engueuler parce que je n'ai pas de casserole petite. Moi j'ai toujours fait des trucs dans les grosses casseroles mais c'est vrai que pour faire un tout petit peu de pâte, un tout petit peu de choses, genre une petite ration de riz, une petite ration de machin, bah, c'est bien d'avoir une petite casserole, je n'en avais pas. Moi j'achète toutes mes casseroles chez Action avec ce même revêtement en pierre. J'ai acheté une poêle à crêpes de chez Action et une poêle à crêpes de chez Tefal. Tefal s'est abîmée en 3 secondes. Celle d'Action est toujours vivante. Donc franchement, Tefal c'est surcoté je trouve. Donc voilà pour cette petite casserole. Franchement vous devez être fiers de moi. Ça annonce du coup bientôt les vidéos cuisine avec moi, Cook with me, ou plutôt Carnage with me. Donc bon, voilà, on investit un petit peu pour faire ce genre de vidéos. Parce que voilà, je tiens à ce que vous ayez de la qualité en vidéo. Ensuite, alors ça, mais alors ça, ça là, ça, ça va être plutôt pas mal, je pense. C'est pour les poils de chat. Alors ça, j'en ai vu. Je pense que c'est un dupe de quelqu'un qui l'a vraiment créé. Je l'ai vu sur des stands aux portes, à la porte de Versailles. En gros, tu frottes sur toi, ça enlève vraiment tous les poils. Tu mets ça dans l'eau, ça nettoie le silicone et tu peux refaire encore et encore, c'est à l'infini. Donc ça, vraiment, j'ai hâte de tester parce que bon, vous connaissez Prince, vous connaissez sa passion pour les poils. Voilà, au bout d'un moment, les poils blancs, j'en peux plus. Et encore, il perd pas énormément de poils, ça va. Franchement, je suis assez chanceuse parce que je le brosse quasiment tous les jours quand il a sa mue. Super bien. Donc ça fait aussi les tapis, les canapés et tout le bordel. Donc incroyable, c'est marqué en allemand. Ça doit être allemand. Ensuite, ah oui, j'ai repris mon air masque. Voilà, donc ça c'est le dupe du Garnier. Franchement je préfère le Garnier de loin, mais celui-ci est vraiment pas trop cher, donc si vous n'avez pas trop les moyens pour vous payer un Garnier, celui-ci est à 2€, donc plutôt pas mal. C'est 95% d'ingrédients d'origine naturelle, hein, putain c'est pas mal. Donc ensuite j'ai pris, alors ça je sais pas pourquoi j'ai pris ça, mais je trouve ça trop kiki, une bougie arc-en-ciel blanche. Voilà, je la trouvais très mignonne, donc je l'ai prise. J'ai repris du dentifrice, on s'en fout totalement, mais c'est là-bas que je l'achète, il est vraiment pas cher. Ensuite j'ai pris 1, 2, 3, 4 trucs d'argile parce que je veux faire un panda en argile. Enfin, je veux commencer l'argile, vous voyez, j'ai envie de faire des trucs créatifs et tout. Donc j'ai envie de commencer, donc j'ai pris ça pour faire de l'argile, tout simplement. J'espère que ça va fonctionner, si vous avez des astuces, des trucs et tout à me donner. N'hésitez pas, je prends tout parce que je n'y connais rien dans cette argile. Là, j'ai le setup de l'argile, vous savez, le truc qui tourne, là, je l'ai. Donc j'ai trop hâte de tester. Ensuite, ça, je l'avais acheté à 10-10, rien à voir, il était dans mon sac, à 1€ pour mettre les fruits et légumes. J'ai aussi pris, alors ça, j'ai vraiment hâte de tester parce que si ça fonctionne, bah, je vais imprimer mes photos d'Athènes pour mon album photo dessus. Parce que ça coûte assez cher les photos, je sais que je vais en recevoir de la lab, mais je sais pas si j'en aurai assez, je ne pense pas, donc ça c'est plutôt pas mal. Enfin, en tout cas j'ai hâte de tester, ça se trouve c'est de la merde, c'était 2€ je crois, la qualité c'est qualité photo, mais j'ai envie de voir si l'impression est bonne parce qu'il y a un truc, faut que ce soit un jet d'encre machin, je sais pas quoi. Pour les photos du coup j'ai pris ça pour découper. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. D'habitude, je le fais au ciseau. Voilà, ça m'a pris trop de temps la dernière fois. Donc là, j'ai dit, bah, on va investir là-dedans. C'était 4€, je crois. Donc c'est pour faire voilà, couper droit. Et moi qui fais beaucoup de trucs créatifs en découpant le papier, bah, ça peut être plutôt bien. Ensuite, pour du coup l'album photo, je l'ai enfin trouvé. C'est celui-ci. Il n'y avait pas beaucoup de choix au niveau des couleurs, mais je me suis dit vas-y, je vais prendre celui avec Memories. Ça fait un petit peu enterrement, je sais pas trop, vous savez, un truc d'enterrement. Mais je me suis dit vas-y, c'est la couleur bleue, je vais essayer d'agrémenter un petit peu, l'intérieur va être trop beau. J'ai trop hâte de le faire. Le nombre de pages,
Il y en a 64, donc c'est amplement suffisant, je pense, parce que tous les albums photos, déjà, ils étaient chers. Et de 2, il n'y avait pas assez de pages, il y avait genre 20 pages, c'est pas possible. Donc moi, j'avais vraiment besoin de beaucoup de pages pour faire mon album photo. Que voilà, j'ai trop hâte de le faire avec vous, mon album photo. Il y aura une vidéo dédiée là-dessus. J'espère que je vais pouvoir le faire, parce que ça sera sur plusieurs jours, parce que je vais pas faire ça sur une journée. Mais voilà, en tout cas, trop hâte de commencer. Ensuite, j'ai plus beaucoup de batterie. Excusez-moi, ça va couper bientôt. J'ai pris ça à Action. Alors vraiment, je ne pensais pas acheter un truc de décoration solaire. En fait, ça s'allume. Donc là, vous avez le truc solaire. Et après, il faut mettre une pile qui se recharge. Donc trop hâte, franchement, de tester. Il faudra vraiment le nettoyer parce qu'il y a un petit peu de glu qui a coulé. Franchement, les peintres, ils sont pas ouf. Hein. C'est très joli. J'aimais beaucoup en fait le violet sur le dessus avec le papillon. Je trouvais ça trop beau. Ça, c'était 5 euros. Il y avait plusieurs modèles. Donc voilà, c'est très très joli. Ensuite, je me suis trouvé un cahier marguerite. Voilà, encore une fois, je vois des marguerites, j'achète. Je suis désolée, c'est comme ça la vie. Donc à l'intérieur, je m'en fous un petit peu. Mais voilà, comment ça avec des lignes. Mais sur le devant, je trouve ça trop beau. Moi, je suis fan de papeterie. J'adore ça. Je trouve que c'est vraiment très joli. J'ai pris ça du coup pour un de mes meilleurs amis pour son balcon. C'est pour les moustiquaires et tout, mais c'est surtout pour pas que son chat sorte dehors. Donc je vais me faire rembourser parce qu'il en a déjà 3, il en avait déjà acheté. Et ça aussi le truc pour les peintures comme ça. Et je vais le rendre parce qu'il en a déjà acheté aussi. Donc ça je vais les rendre parce que c'est plutôt bien. On m'avait conseillé ce petit scotch pour les vlogs travaux. Il en a acheté donc on testera. Du coup des petits fils pour faire la broderie. J'en ai reçu de chez Shein, donc j'en ai reçu 200. Mais je vais commencer un petit peu avec cela pour essayer de faire un dégradé un peu comme ça de son prénom à la fille de ma soeur. Ça aussi pour faut que je le ramène d'ailleurs. C'est des petits trucs, vous savez, pour resserrer, pour accrocher. Donc je lui ai pris ça, c'était pas très cher. Alors ça, mais ça, si ça fonctionne, mais Jésus Marie-Joseph, c'est un truc de ouf. C'est du désodorisant pour le lave-vaisselle. C'est la première fois que je le voyais, pour ça que j'en ai pris deux. Moi, mon lave-vaisselle, il pue vraiment, je n'en peux plus, même propre, il pue. J'ai tout nettoyé, les filtres, les machins, tout le bordel. Ça, dès qu'il y a un peu de bouffe qui a séché, ça pue. C'est un enfer, vraiment. Et j'ai l'impression que c'est le cas dans tous les lave-vaisselles. Je sais pas si le vôtre a ça aussi, mais en tout cas, ça pue. Du coup, je vais mettre ça dedans. Je vous dirai si ça fonctionne ou pas. C'est la marque Superfine, donc c'est la marque que j'utilise déjà pour mon lave-vaisselle. Et franchement, si ça fonctionne, c'est au Lemon et Ocean. Du coup, trop hâte de tester. Voilà, en plus, il y a une recharge avec. Je sais pas s'ils vendent les recharges en plus. Enfin, voilà. Ou est-ce qu'il faut acheter à chaque fois ça. Mais en tout cas, moi j'achète. Hein. Franchement, je prends. J'ai pris du popcorn parce que j'ai besoin de me faire une soirée cinéma tranquille chez moi avec une bougie, des popcorns et une série Netflix. Voilà, j'ai envie de faire ça. Le popcorn sur Action est vraiment très très bon. Pas trop sucré, donc rajoutez du sucre si vous voulez. Mais franchement, je vous conseille très très bien. Moins d'un euro, parfait. J'ai pris du vinaigre ménager parce que je n'en avais plus. Donc j'ai pris cette marque là. Ça c'est très très bien. Franchement, la marque Mariette Authentique. Donc vraiment très bien, 750 ml. On est ravis. J'ai pris ensuite un petit vase. Voilà, je trouvais assez sympa. Donc je l'ai pris. Très mignon. Un beau vert, il y avait bleu et orange, je crois. J'ai pris aussi une râpe pour les pieds. Enfin, un truc électrique pour les pieds. Je sais pas si ça fonctionne. J'ai jamais fait ça de ma vie entière. Mais depuis que je marche, c'est quoi à dire, j'ai de la corne. Avant, je marchais pas trop, c'était pas mon truc. Et là, comme je marche beaucoup, 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 je fais quasiment 20 000 pas par jour. C'est énorme. Enfin, je trouve que c'est énorme. Et ben, mes pieds sont très abîmés, donc écoutez, j'ai pris ça pour essayer de les aider à aller mieux. Et j'ai pris aussi ça, ces foot masks, ils sont vraiment géniaux, je peux vous les conseiller. Celui-ci à la Berries, là, il est vraiment top, donc prenez-en, ils sont vraiment top. Vous avez les pieds vraiment tout doux après, c'est génial. Et enfin, j'ai pris des microfibres, donc deux microfibres, voilà, parce qu'il m'en fallait, il y en avait plein qui étaient morts, donc... j'ai pris ça. Voilà pour Action, je crois que je vous ai tout montré. J'ai trop hâte de commencer la poterie, j'ai trop hâte de commencer tout ce qui est photo et tout pour mon album photo. Donc ça va être dans les prochaines vidéos. Ça va être une vidéo un peu longue à tourner, je pense. Ça va être très très long, très fastidieux, mais on va quand même essayer de faire les choses bien. Donc écoutez, voilà pour ce haul. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est ElisaBRTOff, à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos juste en bas. Je vous fais énormément de bisous et je vous dis à demain pour un prochain daily vlog. Bye bye.